Maman, pourquoi papa ne t'a pas parlé de Kirad? Je ne sais pas. Il n'a pas pu me joindre. J'ai pu t'appeler. Bien. C'était dans mon sac à main. Peut-être que c'était en mode silencieux. Je ne l'ai pas entendu. Après s'être éloigné de nous, comment peux-tu mettre ton téléphone dans ton sac à main, maman? Je faisais un travail important. C'est pourquoi? Quand tu es à la maison, tu ne faisais rien alors. Que as-tu commencé maintenant? Tu peux penser de cette façon. Votre enseignement était meilleur, de ce travail que vous faites. Tu rentrais à la maison après l'école. Et tu te souviens? Tu as quitté cet enseignement à cause de nous. Parce que tu voulais nous donner du temps. Alors laisse ce travail aussi pour nous, maman. Nous allons voir ce qui se passe. Puis-je dire une chose, maman? Toi et papa ne répondez pas correctement ces jours-ci. Monsieur, avez-vous apporté des médicaments? Oui, sœur. Ici. Sarah, je dois te parler de quelque chose d'important. Sortez dehors pendant 2 minutes. Gulzar, tu prends soin de ta sœur. D'accord. Je sais ce que tu vas dire. Si tu sais, pourquoi ne pars-tu pas d'ici? Je ne partirai pas des apostrophes ici tant que je ne serai pas au courant. Ma fille va bien, être. Tu l'as vu. Tu es satisfait. Que voulez-vous de plus? Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, je n'irai pas. Elle va tout à fait bien. Tu n'as pas entendu les médecins. Si vous sortez de l'hôpital, ça ne veut pas dire que... Elle va bien. Son traitement continue. Elle est soignée. D'accord. Donc tu es médecin. Il est important que tu sois là. Mais je suis la mère. Une mère est une plus grande guérisseuse qu'un médecin. Le docteur touche les nerfs. Une mère touche l'âme. Le remède que l'on obtient grâce aux médicaments. On obtient beaucoup plus de guérison grâce à... On obtient du contact d'une mère. Arrêtez votre drame. Drame? Je doute que tu sois même un humain. Tu as toujours été une personne sans émotion. C'est pourquoi tu sens que tout le monde est également sans émotion. Mais rien ne peut m'éloigner de ma fille, même mes émotions. Est-ce que tu comprends?